Bonsoir tout le monde, bonsoir à cette présentation, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz et le sujet ce soir c'est trader le Dow Jones avec la stratégie Black Candles. Alors Black Candles c'est une stratégie très intéressante et on va voir ce soir bien sûr une petite explication de ce qu'est le signal Black Candles. Et après on va faire deux choses intéressantes, c'est qu'on va réfléchir un petit peu à l'application de la stratégie dans deux contextes différents qui sont en fait pratiquement les contextes, on va dire, complémentaires des marchés, c'est-à-dire soit on est en tendance, soit on est en range, et selon les circonstances, on peut être amené à faire des choix différents. Et donc, je suggère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser le long de la présentation. J'ai le petit outil de chat et des de enfin pas de chat, mais disons de réception de vos chats. Et donc je peux voir s'il y a des questions et je peux répondre aux questions le long de la présentation. Comme ça, on fait les choses directement. Alors, le signal Black Candles. Alors, ce signal, je vais l'expliquer à partir de cette image. Donc, cette image, il y a des. On va dire certains détails, donc il faut que vous soyez très concentrés. Alors, je dis le signal Black Candles a trois paramètres, et en fait, j'ai extrait de la plateforme NanoTrader la partie réglage. Vous voyez, donc Black Candles, c'est un signal qui a été programmé dans Express par moi-même, en fait, et on voit ici trois paramètres. Le facteur d'agrégation. Oui. Le nombre de barres de la vieille tendance et le nombre de barres de la nouvelle tendance. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre un petit peu ces éléments un par un. Premièrement, ça s'appelle Black Candle, donc black, ça veut dire noir, et donc c'est des bougies noires. Alors pourquoi on a fait des bougies noires? Eh ben, on a voulu en fait orienter ou plutôt concentrer l'attention sur on va dire les bandes que vous voyez apparaître là, plutôt que sur les bougies elles-mêmes. Okay? Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on colore tout en noir, comme ça, on n'a pas de différence entre blanc, rouge, vert, rouge au niveau des bougies, on se concentre sur les bandes. Okay. Il y a une notion d'agrégation de base, ça c'est en fait le graphique dans lequel nous sommes. Dans le graphique dans lequel nous sommes, en général, il faut choisir une agrégation petite. Agrégation, ça veut dire aussi unité de temps. Okay? Donc, par exemple, 5 minutes. Et alors, on a un facteur d'agrégation. C'est ce que j'ai appelé ici aggregation factor. Donc, le facteur d'agrégation, par exemple, dans cet exemple, il est vaut 2. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce qu'est le facteur d'agrégation. Mais en gros, pour le dire simplement, je prends le chart de 5 minutes, je combine deux bougies consécutives en une seule, ça me donne un chart d'agrégation 2. Okay? C'est une façon de voir le graphique de façon plus, avec un peu plus de recul. Okay. Maintenant, les bandes, vous voyez, il y a des bandes qui sont dessinées. Après, je vous expliquerai d'où elles viennent, ces bandes. Mais grosso modo, dans la partie de baisse, vous avez une bande qui est rouge. Dans la partie de hausse, on a une bande qui est plutôt verte. Donc, l'intersection entre ces bandes, c'est-à-dire lorsque l'on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, ça donne la possibilité de créer des signaux. Le signal Black Candle, c'est exactement ça. C'est un signal qui est basé sur ces bandes. Okay? Et la bande, en termes de tendance, quand je parle de tendance, je pense court terme, c'est-à-dire ce que l'on voit devant l'écran, c'est-à-dire une sorte de nuage qui suit le mouvement. Bon, ben ça, c'est la tendance de court terme. Et de la même manière, ici, quand on voit le marché qui monte bougie par bougie, ben ça, c'est une tendance de court terme aussi, à la hausse, quoi. Alors, le signal, il est défini par deux autres paramètres. On a vu le premier paramètre, c'était le facteur d'agrégation. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est, je reviens ici en haut, c'est le nombre de barres old trend, c'est-à-dire de la vieille tendance. Alors, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, ici, en réalité, quand on observe la tendance baissière,
et qu'on compte le nombre de bougies, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, vous voyez, si vous prenez les quatre dernières bougies, ce que j'ai représenté en haut par cette flèche et le fond d'écran qui est rose, ces quatre bougies, c'est en fait deux fois deux bougies. Le premier 2, c'est le paramètre nombre de barres de la vieille tendance. Et le deuxième paramètre, c'est le facteur d'agrégation. OK? Donc, ça veut dire que, en réalité, on considère ici deux bougies de la vieille tendance et une bougie de la nouvelle tendance pour dire il y a un signal. C'est-à-dire deux bougies à la baisse, une bougie à la hausse, j'ai mon signal. Sauf que comme on a une agrégation de 2, eh bien, il faut doubler ces chiffres et du coup, on se retrouve avec 4 contre 2. Ça, c'est la définition du signal. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et une fois qu'on l'a sous la main, on comprend tout relativement bien et relativement vite. Alors maintenant, je vais éclairer sur les pages suivantes. Je vais expliquer ce que sont en fait ces bandes, parce que vous allez reconnaître un outil que la plupart d'entre vous connaissent très bien et que la plupart d'entre vous apprécient beaucoup. C'est le... Je garde ça pour la prochaine slide, hein, d'accord? Avant cela, faisons une petite réflexion sur le facteur d'agrégation et donc sur le nombre de signaux. Donc, vous voyez ici... Notre réglage, c'est le réglage du milieu. Hein, je remonte là. Vous voyez ici, là, on a ce signal un petit peu tout en bas là. Hop, si on regarde, en fait, c'est... Non, c'est pas ça, en fait. Je dis des bêtises. Ces courbes n'ont rien à voir avec la courbe précédente. Oubliez ce que j'allais dire. Ici, nous avons en fait trois. Une série de trois images qui représentent le même graphique en 5 minutes avec les mêmes bougies noires, mais on a le facteur d'agrégation qui prend trois valeurs différentes. Une valeur de 1, une valeur de 2, une valeur de 3. Et on voit l'effet que ça a sur la courbe, la bande rouge, la bande verte. Donc, si je prends par exemple le milieu, facteur d'agrégation 2, je vois ici cette bande rouge suivie de une petite bande verte. Donc, ça donne l'occasion en fait à un signal d'apparaître. Et puis, vous avez ensuite une bande rouge et puis de nouveau une bande verte. Donc, au bout du compte, vous avez, quand on compte bien, on regarde bien quelle bougie, etc., on a trois signaux. Vous voyez? Si maintenant je renforce ce facteur d'agrégation, je passe sur 3, vous apercevez que grosso modo, la bande devient de plus en plus épaisse. Et puis ici, tous ces petits signaux intermédiaires disparaissent et on se retrouve en fait avec un seul signal qui caractérise vraiment on va dire le bas de ce mouvement. Et en fait, ça, c'est un puissant et très beau signal de rebond. Donc, en augmentant le facteur d'agrégation, on réduit le nombre de signaux et on a de ce fait plus qu'un signal. De l'autre côté, on fait le raisonnement inverse, c'est-à-dire à partir de 2, on réduit à 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout simplement la bande qui se met à être beaucoup plus courte et donc on se retrouve avec une succession de petites bandes. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça nous identifie en fait les petites tendances. Vous voyez, donc ce mouvement, il est assez clair, c'est une seule tendance. Mais après, le vert qui était microscopique ici, il devient quand même relativement un peu plus important. Puis ce mouvement vert ici, il reste. Et puis ce mouvement vert là, eh ben, il se subdivise en trois segments. Et puis ça nous fait une multiplication des signaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que avec cet instrument, avec ce signal, vous avez la possibilité, grâce au paramètre facteur d'agrégation, de moduler le nombre de signaux. Et ça, on va voir après que c'est très intéressant et c'est une grande aide en réalité. Et
Je suis un fervent supporter en fait de ce réglage quoi. Et on utilisera, on fera un petit exemple avec l'analyse sensitive pour montrer comment on trouve le bon réglage. En réalité, c'est un grand avantage, c'est une innovation, c'est un grand avantage. Alors en fait, maintenant, il s'agit de révéler de quoi on parle en termes de bandes. C'est quoi la constitution de ces bandes? Eh bien, ces bandes, ce sont en fait c'est une représentation du corps des bougies Akinashi. Donc Akinashi, tout le monde connaît bien, la plupart. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas Akinashi? Donc c'est un graphique, le graphique Akinashi. Et c'est ce que l'on utilise en fait pour fabriquer les bandes Black Candles. Et à partir des bandes, du coup, on fabrique des signaux. En fait, le corps du chart Akinashi, pour bien le comprendre, on prend maintenant le cas de la page précédente, facteur d'agrégation 1. Donc là, on avait en fait le graphique avec, j'avais dit que c'était bien subdivisé par, il y avait pas mal de signaux, hein. Le mouvement était très bien segmenté, mais à une échelle relativement petite. Ben, quand vous regardez ça et vous regardez en dessous, vous voyez que en dessous, on a un Aikinashi. Alors en bas à gauche, là, on voit le nom, c'est tout simplement l'indicateur Aikinashi réglé avec, on va dire, le paramètre 2, c'est-à-dire qu'il faut deux bougies d'une couleur différente pour parler d'un signal. Mais ici, on ne parle pas vraiment de signaux, on parle juste de la couleur des bandes. Et vous pouvez voir que la couleur des bandes, elle correspond exactement à la couleur des bougies, du corps des bougies Akinashi. Mais ça correspond aussi au corps lui-même, c'est-à-dire que le haut de la bande ici, c'est défini par le plus haut du corps de ces bougies rouge foncé, et le plus bas, la bande, le plus bas de la bande, c'est défini par le bas du corps, pas des mèches, du corps. Vous voyez? Et comme ça, quand vous regardez vraiment bien, ben vous voyez que en fait, les bandes, c'est en fait le chart Akinashi. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le chart Akinashi que l'on représente par ces bandes, et puis on le met sur notre chart qui est en 5 minutes. Mais après, on se donne la possibilité, en réalité, avec le facteur d'agrégation, d'augmenter l'agrégation. C'est-à-dire, en fait, ça nous permet de mixer, de mélanger des échelles de temps différentes pour trouver c'est quoi le meilleur réglage pour le chart Akinashi. Quand on traite dans du 5 minutes. Alors, si je regarde le facteur d'agrégation 3 et je mets ici Aikinashi avec, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être pas assez clair, mais on voit 3 fois 1 minute, c'est-à-dire, vous savez que dans la NanoTrader, on clique droit sur l'indicateur Aikinashi en dessous, il y a un paramètre agrégation. On appuie dessus, on met le chiffre 3, et puis NanoTrader va nous fusionner 3 bougies par 3 bougies pour nous produire un graphique qui représente Akinashi agrégé. Et en fait, nous, dans notre chart de 5 minutes, dont on n'a pas eu le besoin de changer l'unité de temps, on voit en fait l'Akinashi sur le fond là, avec ses bandes. Et ça permet, dans le même graphique, sans devoir travailler avec des sous-fenêtres, etc., ça nous permet en fait de vérifier qu'est-ce qui est meilleur pour nous. Est-ce que c'est meilleur un Aikinashi simple, ou est-ce que c'est meilleur un Aikinashi d'agrégation 3 ou 2 ou 4 ou 6, etc., quoi. Donc ça, c'est très puissant en réalité. Et c'est parce qu'on a dessiné en fait Aikenashi à l'intérieur du chart principal, quoi. Alors, j'ai mis sur le côté deux autres innovations, c'est-à-dire, donc la première innovation, si je reviens en arrière, c'était innovation numéro 1, c'est c'est le fait de représenter Aikenashi par des bandes. Ça, c'est l'innovation numéro 1. L'innovation numéro 2, c'est le fait d'inclure dans le réglage
une variable qui permet d'agréger. Ça s'appelle le facteur d'agrégation. Le facteur d'agrégation, je dois préciser, il est cohérent, c'est-à-dire que il n'est pas basé sur juste grouper des bougies, il est basé sur grouper des bougies, mais tout en respectant le temps. C'est-à-dire que si on prend un char de 5 minutes, on agrège avec un facteur d'agrégation de 3, eh bien, on veut que nos bougies se terminent soit à 0, soit à 15 minutes, soit à 30 minutes, soit à 45 minutes. Vous voyez? Si vous imaginez un graphique d'un marché qui n'est pas très liquide, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de transactions, par exemple, à, vous prenez le DAX à 1h15 du matin ou à 2h15 du matin, il n'y a pas forcément, et vous vous mettez sur un chart de 1 minute, il n'y a pas forcément une bougie par minute. Si vous prenez une agrégation basique dans la plateforme va vous grouper, par exemple, 3 bougies par 3 bougies. Mais qu'est-ce qui se passe s'il manque des bougies? Parce qu'il n'y a pas eu de trade. Eh bien, ça va vous créer un beau graphe agrégé, mais en termes de temps, vous ne respecterez plus 0, 15, 30 et 45. Ça va presque être aléatoire. Et de ce fait, quand vous allez travailler, faire des backtests et des choses comme ça, vous aurez des incohérences. Pour éviter cela, eh bien, on a rajouté des conditions dans le code de manière à ce qu'on soit toujours synchro avec le temps. D'accord? Donc ça, c'est très puissant, c'est une innovation très puissante, quoi. Et puis, l'impact de cette innovation, c'est le numéro 3, c'est que quand vous faites des trades avec cet outil et qu'après vous comparez avec le backtest, si vous n'avez pas cette propriété, en gros, vous vous retrouvez avec des différences massives entre les résultats réels et les résultats de backtest. Et là, vous pouvez vous questionner et vous dire qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, etc. Pour éviter cela, c'est pour cela que l'on a inclus la condition du temps, du respect du temps, de la cohérence avec le temps. Et c'est ça qui fait que on va dire, ce signal Black Candles, il est calqué sur de l'Aikidashi, mais avec on va dire, des propriétés supplémentaires qui sont très, je dirais, utiles et très pertinentes pour la pratique du trading actif. Okay? Alors, un dernier élément. Hein? Donc, au bout du compte, vous voyez ici sur la gauche, là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 bougies noires, 3 bougies. Donc, ici, on est avec, en fait, on voit, en fait, avec le fond d'écran coloré, on voit que on couvre 3 bougies. Donc, on sait que l'agrégation, c'est 3. De ce côté-là, on a aussi 3 bougies. Donc, en fait, on a 3 fois 1 et 3 fois 1. C'est-à-dire que le réglage, en réalité, c'est 3, 1, 1. 3 pour l'agrégation, une bougie de la vieille tendance, une bougie de la nouvelle tendance. Donc, une bougie de la vieille tendance fois 3, ben, ça fait 3 bougies. C'est ce qu'on voit là. Une bougie fois 3 de la nouvelle tendance, ça fait 3 bougies, c'est ce qu'on a là, 1, 2, 3. Donc, vous voyez que ici, vous imaginez que vous êtes dans du. Alors, vous pouvez être dans ce que vous voulez, hein. Vous pouvez être dans du 1 minute, vous pouvez être dans du 30 secondes, vous pouvez être dans du 5 minutes. Supposez que vous soyez dans du 5 minutes, vous voyez qu'il faut quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5, 30 minutes avant de produire un signal. Donc là, on est vraiment quand même dans un trading, quand même. De day trading, moins de scalping, plus de day trading dans lequel on essaie d'attraper par exemple, le rebond de la journée ou du rebond à un moment donné de la journée, quoi. Vous voyez? Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a rajouté des outils complémentaires au niveau de la gestion de la position. C'est-à-dire, on a un stop Black Candles, et on a un target Black Candles. Et observez que le target Black Candles, il a une propriété de suiveur, mais suiveur pas au nom du stop, au nom du target, de l'objectif. C'est-à-dire que si le marché monte, pas si le marché monte trop vite, mais si le marché monte relativement régulièrement, eh bien, grosso modo,
la cible, ce qu'on appelle target en anglais, hein, en français l'objectif, eh ben, il va te repousser, 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 ce qui permet, dans certaines circonstances, je dirais pas souvent, mais quand même de temps en temps, qui nous permet de gagner plus. Oui. C'est comme le gagner plus, vous vous rappelez le slogan. Et puis d'un autre côté, vous avez en dessous le stop. Alors ce stop, il est conçu sur en fait un positionnement initial sur le plus bas du mouvement. Oui. Donc, Black Candle, c'est quand même pour attraper un petit peu des rebonds. Donc, le bas du rebond, c'est cette bougie. Ben là, on positionne en fait notre stop. Quand le marché dépasse un certain multiple du risque, le risque étant défini par, grosso modo, la position du stop, hein, l'écart entre le prix d'entrée et le stop. Ça, c'est le risque. Là-haut, on voit qu'on est à une fois le risque, mais là, on voit que notre stop monte, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième réglage qui est, on appelle le break-even, et ça permet de faire remonter notre stop au niveau de notre prix d'entrée quand le marché est suffisamment haut. Ici, en fait, le réglage, c'est 0,5 fois le risque. Donc, 0,5 fois le risque, ça veut dire le marché s'est suffisamment éloigné. On va dire de la zone de stop, eh bien on dit bon, on ne veut pas perdre, on monte notre stop. Si maintenant le marché redescend, ben on n'aura rien gagné, mais on n'aura rien perdu. Si le marché continue de monter, alors on a une deuxième propriété, c'est la propriété de suivi. Et le suivi va se faire, je dirais, en fonction de la bande. Donc on va suivre la bande avec un certain écart. Et donc, si le marché monte de façon relativement régulière, ben on va suivre à distance et puis on va attraper tout ou partie du mouvement. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une combinaison. La stratégie Black Candles, elle associe vraiment ce signal bien particulier qui a comme gène, comme ADN, il a le graphique Aikinashi. Mais c'est du Aikinashi, on va dire, à l'échelle supérieure, avec capacité de régler, de chercher une agrégation optimale. Deuxièmement, un encadrement par des stops et targets avec un target mobile et un stop mobile avec break-even inclus à l'intérieur. Enfin bref. C'est la totale, quoi. C'est vraiment un bel outil, quoi. Alors maintenant, la question, c'est la question que tout le monde se pose, c'est toujours bien sûr, qu'en est-il de son application? Donc, c'est le côté construction, en fait, d'une stratégie. Alors, pour la construction d'une stratégie, je vais juste montrer deux slides et après je passe sur la nano. Mais grosso modo, je vais afficher ici une représentation que maintenant tout le monde devrait connaître. Cet outil s'appelle Sniper. C'est mon outil favori depuis le mois de, je sais pas, février, mars ou à peu près. C'est un outil de détection des lignes de support résistance, mais je dirais pas de toutes les lignes, on va dire les lignes majeures. Ici, on est sur un graphique en une semaine. Une semaine, on est sur le mini DAO parce que le mini DAO futur, c'est le sujet de ce soir. Quand je dis mini DAO futur, j'entends aussi le Wall Street 30, bien entendu, hein, en CFD. Et on voit ici la structure d'évolution du Dow Jones, hein, ça représente le Dow Jones, hein, au cours des deux dernières années, pratiquement les deux dernières années, depuis 2019, vous voyez, septembre 2019 jusqu'à août 2021. Alors on voit bien sûr le rebond suite au Covid et grosso modo, vu de loin, à une échelle hebdomadaire, une claire tendance à la hausse. Donc, dans une tendance à la hausse,
on est supposé trader plutôt à la hausse. Et dans ce cas-là, la stratégie, on va dire, de base, c'est on prend Black Candles et puis on prend juste les signaux haussiers. Et tant que la tendance continue, ben, nous, on devrait réussir à cartonner, quoi. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait montré la dernière fois, au mois d'avril. Donc, vers le, je ne me rappelle plus, 29 avril ou quelque chose comme ça, on avait fait une présentation. Et vous voyez que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait construit une stratégie dans laquelle on avait Black Candles en 10 minutes. Alors, le réglage précis, on peut le voir après quand j'ai l'écran sous les yeux. Le réglage, il n'était pas très compliqué. Mais vous voyez que sur cette période-là, depuis janvier, on va dire 2021, jusqu'à fin avril, bah, on avait un marché qui a eu des, je dirais, une zone difficile un peu au milieu, là, ici. Mais pour le reste, quand même, une tendance clairement à la baisse, une tendance à la hausse, une tendance à la hausse, petite tendance à la baisse, tendance à la hausse. Puis là, c'était un petit peu moins clair, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand vous regardez la courbe de résultats, ben on voit que grosso modo, quand on est dans la période, que ce soit la baisse ou la hausse, mais quand il y a une tendance claire, eh ben on tend à cartonner, quoi. On tend à la courbe de résultats monte. Par contre, quand on est dans une zone un petit peu plus, je dirais, où il n'y a pas vraiment de tendance, comme ici au milieu, ben là, ça monte, ça descend, ça monte et ça peut aussi descendre. On est, grosso modo, ce n'est pas idéal. Mais quand même ici, dans cette partie-là, il y avait quand même clairement une hausse. Et puis, la stratégie a bien réagi. Elle a capturé parce qu'on tradait dans le sens de la tendance. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais aller sur la plateforme. Voilà la plateforme. Donc, j'ai plus ou moins, je ne sais pas 100% exactement le même chart, mais là, on est le 13 janvier 2021, alors qu'avant, on était au 19. On voit grosso modo le mouvement jusqu'à voilà, grosso modo c'est ça qu'on avait, quoi. Oui, et ça donnait, alors peut-être j'ai pas 100% exactement le même réglage, mais grosso modo ça donnait quand même une hausse, quoi. D'accord. Alors ici, ce que je vais montrer, c'est la constitution de la stratégie. Donc quand on charge la stratégie, si je prends par exemple Mini DAO, j'ai les différentes expirations, je choisis septembre, modèle d'étude, stratégie, Black Candle, c'est vers le haut. Ah, j'ai choisi la mauvaise stratégie, j'ai choisi Big Candle, et moi je parle de... Alors, excusez-moi, hop! On retourne. Alors comme d'habitude, hein, si ça marche pas du premier coup, on essaye jusqu'à ce que ça marche. Parce que voilà, Black Candle. Vous voyez, moi j'ai appuyé sur ça, sur Big Candle, Black Candle. Alors en fait, par rapport à ça, j'ai pas exactement pris le réglage par défaut. Ouais, le beau trade ici. Hein. J'ai pas pris le réglage par défaut. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris 25,5. On peut comparer à côté là. Bon, là, je suis sur 5 minutes. Là, je suis aussi sur 5 minutes. Non, ah, là, je suis sur 10 minutes. Mais bon, qu'importe, je mets sur 5. Ouais, ça, c'est 5 minutes, par exemple. Et là, vous voyez, target, le stop. 1-1. Donc quand je disais le côté trailing une fois le risque, le côté break-even une fois le risque, ça j'ai retiré parce que ça c'est un élément de filtre de tendance, mais j'ai trouvé que c'était plus pertinent de l'éliminer, donc je l'ai éliminé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé en fait le super trend par l'étude, cette étude sur ma gauche, qui est un simple, c'est grosso modo Aikinashi.
qu'on trouve, si vous tapez Akinashi, c'est ça, c'est l'indicateur Akinashi, vous voyez. Vous rentrez l'indicateur Akinashi. Je le rentre deux fois. Je le rentre une fois comme indicateur, c'est-à-dire Sentimentor, et puis je le rentre une deuxième fois comme filtre, ce qui me permet d'avoir une coloration du fond d'écran qui est plus jolie. C'est juste plus joli, hein, c'est tout, c'est pas, il n'y a rien d'autre. Hein. Et je mets un Meta Sentimentor, je sauvegarde, je donne un nom. Et après, qu'est-ce que je fais? En fait, je ramène ici l'information de la tendance grâce à Study, c'est-à-dire l'indicateur Study. Alors, comment on fait ça? On tape Study, on le met comme dans une sous-fenêtre, comme filtre, et pas autrement. OK, donc dans une sous-fenêtre, comme filtre, ouais. Une fenêtre s'ouvre, parce qu'en réalité, si je voulais mettre, il y a plein de possibilités. Je pourrais mettre, je sais pas moi, le Nasdaq, je pourrais mettre un filtre de tendance que j'ai calculé sur n'importe quel instrument, mais moi, bien sûr, j'ai fait le Dow. Donc, je recherche le Dow. Ici, je récupère mon étude qui s'appelle Mini Dow Trading 2, c'est ça. Je fais OK. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je peux le fermer. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé en fait que Il s'est passé en fait que Il s'est passé en fait que la tendance qu'on voit ici, à travers cette courbe, en fait, on l'a alors, on l'a en fait exportée dans cette étude. Alors, Mini Dow Trading 2, en fait, c'est pas cette étude, c'est l'étude à gauche, c'est Mini Dow HA pour Aikinashi 2. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. On tombe pas toujours dessus du premier coup. Ça me permet de répéter qu'il faut le mettre dans une sous-fenêtre en tant que filtre. Voilà. Je recherche le mini DAO. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est lui. C'est celui-là que je dois récupérer. OK. Ça, je ferme. Ici. Voilà. Ça, c'est le point que je veux montrer. C'est-à-dire, vous voyez que on a ici, vous voyez, cette période rouge, ça représente ces jours-là sur la gauche là. Et la période verte, ça représente ce qui est à ma droite ici. Et la période où il y a la grande chute, tout ça c'est vers la gauche quoi. Plus précisément comme ça. Voilà. OK. Donc on arrive à envoyer dans le graphique principal la tendance, le filtre de tendance que l'on veut utiliser pour filtrer nos signaux. Okay? Après, pour ce qui concerne le réglage, ici, le réglage, vous voyez, légèrement différent, mais pas vraiment beau, très, très différent. 8 heures au lieu de 7 heures, 22 heures, 21 heures, 59, c'est la même chose. 2, 2, 1, 2, 2, 1, c'est la même chose, quoi. OK, donc maintenant, je reviens sur. Ah. Je reviens sur ça, grosso modo, c'était le réglage de la dernière fois. OK. Et ça marchait bien, on était en tendance, etc. Après, quand on regarde bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire une fois que l'on regarde, vous voyez, à partir du 10 mai, on a atteint un maximum. Puis après, on est resté sous ce maximum jusqu'à hier ou avant-hier, quoi.
Oui, et cette période-là, on ne peut plus dire que c'est une période vraiment franche de tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du résultat de notre stratégie? Eh bien, on a connu des périodes, vous voyez sur le côté là, on a connu des périodes moins favorables. Donc, par exemple, si je prends par exemple cette période rouge là, c'est en fait une belle tendance bien régulière, OK? Cette période rouge, le résultat de cette période rouge, on le voit là, c'est une forte hausse du résultat. Pourquoi? On voit ici que on trade dans le sens de la tendance. Vous voyez? Donc, quand je prends par exemple ce signal-là, il est bien déclenché. Vous voyez, vous avez la bande verte, puis vous avez la bande rouge. Et puis on est deux bougies après. Et on a deux de la vieille tendance, une de la nouvelle tendance. Donc deux de la vieille tendance, ça veut dire dans la partie verte, deux, agrégation deux, ça fait quatre. Il faut qu'il y ait quatre bougies. Il y en a largement quatre vertes. Et de ce côté-ci, il en faut deux rouges. Donc à la clôture de celle-là, on rentre short. Vous voyez? Et ça nous fait un beau signal. Et grosso modo, les opérations se répètent, vous voyez, avec une capacité, vous voyez, quand même, une capacité à attraper des mouvements. Donc, quand il y a du mouvement, on peut attraper du mouvement. Ici, on dépasse même on va dire, la target initiale, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand le marché est en mouvement et vous tradez dans le sens du mouvement, vous cartonnez. Donc, ce mouvement-là, c'est cette hausse-là. Oui. Puis après, vous avez le rebond, la partie rebond en vert. Le marché rebondit, nous, la courbe d'equity, elle rebondit aussi, elle monte. Donc, elle suit ce V, produit grosso modo toute cette hausse. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez que ça baisse. Pourquoi ça baisse? On sélectionne, on regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? On était à un point haut. Donc, on est toujours en situation haussière, mais le marché a commencé à baisser. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Quand je trade long dans un marché qui baisse, je perds. Résultat, on perd, d'autant plus que on a une plage horaire qui fait presque toute la journée européenne. Donc, il peut y avoir plusieurs trades dans la journée, on perd. Et puis, le filtre de tendance se dit, ah, mais puisqu'on a. Le marché a suffisamment baissé, passons long, devenons, partons short, excusez-moi. Devenons short. Ah, super. C'est le moment que choisit le marché pour rebondir. Donc maintenant, on est short, selon notre filtre de tendance, et le marché remonte. Résultat, on accumule les pertes. Ouais, même si ce n'est pas des immenses pertes, au bout du compte, on perd, on perd, on perd, on perd. Ah, le marché est remonté d'où on est venu, on passe long. Ah, malheureusement pour nous, le marché rebaisse. On repère, on repère. Vous voyez, on est complètement déphasé par rapport à la direction du marché. Pourquoi? Parce qu'on est, devrais-je dire, dans une sorte de, vous voyez, entre ce niveau-là, on est dans un range, quoi, grosso modo. Vous voyez? On est au niveau de, depuis ce niveau à ce niveau, ce niveau, ce niveau, c'est un range. On va ni vers le bas ni vers le haut. On part latéralement et on fait des oscillations en partant latéralement. De ce fait, notre stratégie qui est basée sur un concept de tendance perd. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de la flexibilité et il faut de l'adaptation. Il faut vous adapter en fait. Il faut adapter la stratégie à la, je dirais, au contexte actuel, quoi. C'est pour cela que je vais vous montrer, mais juste avant ça, je vais juste vous montrer une petite chose. C'est, vous voyez, je vous parlais de l'agrégation, comme quoi l'agrégation c'est très bien, etc. Clic droit, sensibilité du paramètre, on lance et on va apprécier c'est quoi le meilleur réglage pour l'agrégation. Et il nous dit 2 ou 4. 2 ou 4.
Oui. Le reste des réglages, c'est pas bon. Donc, ben, nous, on est resté avec deux. C'est le meilleur réglage. Quatre, c'est presque, c'est un petit peu en dessous. Oui. Donc, ce réglage, c'est très important. Celui-ci, très facile aussi, hein. On fait ça. En trois clics, on s'est réglé notre. Voilà. Ça nous dit clairement, bon, ben, deux, c'est le bon réglage. Si je fais un, c'est un petit peu moins bien. Deux, mais si je demande trop de bougies, grosso modo, le signal est trop tard et grosso modo, on ne gagne plus assez, quoi. Donc, ce signal est très bien parce qu'on peut régler ces variables-là. OK? Bon, maintenant, revenons à la question de la. De la, de la, de la, comment dire, de la déviation, c'est-à-dire quand on sort d'une période de tendance, eh ben, grosso modo, on doit s'adapter. Alors, je vais prendre comme exemple cette période-là. Vous voyez ici, cette période-là, là, les 3 dernières semaines, sans compter les 3 derniers jours, parce que dans les 3 derniers jours, on a repris la tendance vers le haut, mais là, ici, dans cette période-là, ça, c'était quand même une période de plusieurs jours, depuis on va dire à peu près le 20 juillet jusqu'à il y a 2 jours, quoi. 3 semaines à peu près, quoi. Et pour cela, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ça et ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai toujours mes deux études. Observez bien ce qui s'est passé. J'ai toujours mes deux études. Celle-ci, je l'ai juste, au lieu d'être sur du. Une journée, je me suis mis sur du 60 minutes. Donc, une journée, elle est dessinée en. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, c'est ça. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rentré, en fait, deux channels, on appelle ça. C'est-à-dire ces objets-là, canal de tendance. Oui. J'ai rentré cela et j'ai paramétré, en fait, ce canal de tendance en haut. Comme alors interprétation, regardez comment je fais. Quand on est grosso modo à l'intérieur de cette bande, c'est-à-dire dans la situation 4, 3 ou 7, c'est-à-dire quand on rentre dedans. 4, 3 ou 7, eh ben on met 0. Le reste du temps, on met 50. Ça veut dire que quand on est en dehors de cette zone-là, on ne trade pas. Et quand on est dans cette zone-là, si on a la chance d'avoir un signal short, eh ben grosso modo, on short. OK? Et de la même manière, cette bande-là, en dessous, interprétation, c'est le contraire. 100, 100, 100. C'est-à-dire. On achète. Eh bien, si on avait respecté cette stratégie, hein, là, on a le mini Dow en 60 minutes sur la période du 21 juillet jusque à aujourd'hui, quoi. Si on avait pris les signaux baissiers en bas du range et qu'on avait pris les signaux haussiers en haut du range, eh bien, on aurait eu ce qu'on voit sur la droite. Avec comme résultat cette belle courbe d'equity, c'est-à-dire on aurait eu grosso modo un gain régulier, vous voyez. Si maintenant je dis que je fais le contraire, c'est-à-dire je mets le short en bas et je mets l'achat en haut, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? On aurait trouvé grosso modo, un petit gain ici, parce que là on est un petit peu bas, mais si on prend que le haut, on perd quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, ce n'est pas pour vous dire qu'il faut maintenant faire ça et trader en mode automatique ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour montrer que quand on n'est plus dans la période de tendance et qu'on repère qu'on est rentré un petit peu dans un range, il fait sens de changer de stratégie. On peut garder les mêmes réglages ici, mais le contexte change. Et le contexte devient un contexte de range. Et quand on est dans un contexte de range, le bon sens veut que
Viens. On se focalise sur. On prend les signaux longs à la baisse et on prend les signaux short, enfin plutôt, on prend les signaux longs, on les prend au bas du range et les signaux short, on les prend en haut du range. Vous voyez? Si maintenant on regarde un petit peu dans le détail, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Ben, ça donne que là, je suis en bas, ben là, j'essaie. Et vous voyez, comme c'est vraiment des beaux trades. On fait grâce à ce signal, on fait vraiment des beaux trades. Rappelez-vous, ils sont basés sur les bandes. Vous voyez les bandes, on voit clairement les bandes qui changent de couleur. On voit clairement les signaux, quoi. Vous voyez? Donc là, on capture. Ici, on capture. Et vous voyez, c'est vraiment fait pour le stop au plus bas. Rappelez-vous que Aikinashi, c'est un chart qui est un petit peu trompeur. Donc, en fait, ici, on a notre chart bien connu de bougie. Celle-ci, quoi qu'on fasse, elle ne bouge pas. Mais c'est la bande qui joue. C'est le réglage, c'est l'agrégation. C'est le nombre de bougies qui compte pour définir le signal. C'est ça qui évolue. Mais pour le reste, on a une très bonne vue de ce qui se passe, quoi. Et c'est très efficace pour attraper du mouvement. Donc, ici, oui. On attrape, tant qu'on est au bas du range, ben on fait plutôt des longs. Alors bien sûr, ici, on perd en cours de journée, mais là, on attrape. Oui. Et ah, là, on passe un peu encore là dans un long. Super. Et puis, maintenant, on est un peu dans une phase de short. Et vous voyez, le short, c'est juste le revers. C'est, voilà, on est un peu en haut du range, ben le marché a plutôt tendance un petit peu à baisser, même si ce n'est pas beaucoup. Et là, vous voyez, on arrive quand même à capturer grâce à notre stop suiveur. Bah, on repère pas tout ce qu'on avait gagné et on fait un petit profit, mais petit profit intéressant, quoi. Ici, vous voyez là, avec un peu de chance, on aurait pu sortir avec un plus grand gain. Finalement, on est touché là, mais bon, on reste quand même en gain. Oui. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme démonstration pour montrer la valeur à ne pas être obtus et trop rigide. Alors vous allez me dire, ouais, mais monsieur, comment on voit ça, etc. Mais il faut regarder. Et quel meilleur outil existe que d'utiliser Sniper? Et là, Sniper, on peut le mettre sur n'importe quelle échelle de temps. Je dirais, regardez ce Sniper ici. Sniper W. Donc c'est un Sniper, vous voyez? Alors bon, ça c'est encore mon vieux, comment dirais-je, c'est on va dire c'est l'outil avec lequel j'ai travaillé, mais Sniper, je vous le montre. Vous tapez Sniper, hop, et puis ça s'appelle comme support résistant Sniper. Oui. Vous pouvez le mettre dedans. Et le réglage, il est, ouais, je mets le réglage 50. Et maintenant, vous voyez, c'est la même chose que ce que j'avais, quoi. Oui. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis le mois de. Vous voyez, là, durant. Ça, c'est la phase initiale où je disais, depuis le début janvier, c'est bien de grosso modo, de trader dans le sens de la tendance en se basant sur Aikinashi. Oui. Jusqu'à ce point maximum. Mais après ce point maximum, vous voyez clairement qu'à partir d'ici, on est dans un range. Mais dans ce range, on est des fois en haut du range et des fois on est en bas du range. Quand on est en bas du range, dans le mouvement qui suit, qui peut prendre 2, 3 semaines, on peut reprendre le réglage précédent et dire je trade dans le sens de la tendance. Je vous l'ai démontré en vous montrant ce V, que ce V, c'est ça nous donnait la plus belle partie de la courbe. Vous voyez? Clairement, à la baisse, à la hausse. Okay? Maintenant, quand vous arrivez dans une zone comme ça, je dirais que ça, c'est plus une zone qui est très, très, on va dire très claire. Et l'exemple que je viens de montrer, c'est exactement ces journées-là. Donc, il y en avait, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sur 14 journées, ouais, divisé par 5 jours, ça fait pratiquement 2 semaines, pratiquement 3 semaines. Bah là, c'est là qu'on a appliqué notre technique pour montrer que si on trade short en haut
est long en bas, bah, on est profitable. Vous voyez? Donc ça, c'était maintenant, voilà, je dirais, je suis arrivé au bout de ce que je voulais montrer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, je vais revenir sur... Alors, juste avant de revenir, je vais juste zoomer. Je descends et avec la molette, j'écarte. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'ici, clairement, on a cassé le haut du range qui était défini par cette ligne. On a cassé le haut du range. Maintenant, on est en situation, grosso modo, de reprise de tendance à la hausse, quoi. Donc, je dirais, si je devais régler ma stratégie, ben, je me remettrai maintenant sur le réglage d'avant le mois d'avril, c'est-à-dire long pour le moment, et pourquoi pas reprendre Aikinashi, quoi. Donc, vous avez en fait deux réglages possibles selon le contexte. Et après, il y a une matière d'appréciation, mais il faut se baser sur ce bel outil qu'est Sniper qui nous permet de structurer le range. Quand on a un range avec un mouvement qui va de haut en bas ou de bas en haut à une échelle pareille, on peut dire qu'on peut trader en tendance. Mais si on est dans une zone qui fait 34 000 jusqu'à 35 000, c'est-à-dire 1 000 points, c'est-à-dire 3% de DAO où chaque jour ça peut changer dans un sens ou dans l'autre, c'est beaucoup mieux de définir un range et de se focaliser sur le haut, le bas, et puis on traite de façon sélective, quoi. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je reviens sur les slides. Et donc, là, le facteur d'agrégation, voilà, donc j'en ai parlé, tout ça, etc. Optimiser, c'est aussi très puissant, surtout quand on veut régler un petit peu les stops et les targets. Je dirais avoir d'autres présentations dans lesquelles je parle de ça. Et puis, ce qu'on vient de voir, la structure, hein, le Dow Jones journalier, ici on est dans le journalier, hein, pour voir là, ces niveaux, pour réaliser dans quel contexte l'on est. Et puis, ce joli petit chart qui montre, grosso modo, voilà. Alors ça, c'est aussi très très puissant de la nano parce que ça vous permet d'automatiser des trades en définissant des zones de marché dans lesquelles vous êtes d'accord pour trader ou pas d'accord. Il suffit de définir, de prendre un canal, de le mettre là-dedans. Interprétation, on donne les valeurs qu'on veut. Et puis, on insère ça dans notre page principale. On peut éventuellement... Si on travaille avec un ordre tactique, on peut éventuellement directement mettre cette zone-là directement dans le chart principal sans avoir à avoir une deuxième étude sur le côté. Et on peut faire la même chose pour le bas et puis vous pouvez faire vos trades comme ça, quoi. Vous pouvez faire des trades opportunistes. Mais je dirais, là, on voit clairement que le marché a cassé. Donc, je dirais... Au vu de ce qu'on voit, il faut peut-être maintenant se remettre dans une optique de tendance. OK, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore ici? Ça, vous connaissez, hein, donc le mini DAO, mais il y a aussi le Wall Street, etc. On vous enverra bien sûr la présentation, et donc vous pourrez revisiter ces chiffres. Pas de questions, je passe à la conclusion. Quelle est la conclusion? Ben, c'est très simple. Devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Au lieu de, je dirais, perdre votre temps sur une toute petite application où vous n'avez pas de graphique, rien du tout, ouvrez je dirais, votre esprit à d'autres idées. Rejoignez Self-Invest. Découvrez tous les outils qui sont mis à votre disposition. Et apprenez que Self-Invest est récompensé régulièrement par des prix, comme on peut voir sur le côté. Meilleur service client, meilleure plateforme de trading, meilleures exécutions. Notre but en tant que courtier, nous ne sommes pas un market maker. Donc, nous, on n'est pas intéressé à ce que le client perde. On n'est pas la contrepartie du trade du client. Donc,
On est juste un intermédiaire, un agent du client. Donc, notre intérêt, c'est que vous gagniez, que vous préserviez votre capital et que vous duriez le plus possible. C'est pour ça que nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, notre connaissance et notamment à travers nos vidéos de formation que vous trouvez sur notre chaîne YouTube en cherchant WH Self Invest France. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, rejoignez-nous et puis travaillez sur vous pour devenir un meilleur trader. Le succès vient en travaillant, on peut y arriver, mais il faut avoir une ligne de conduite, il faut avoir une expérience, il faut une pratique, il faut des très bons outils, très bons brokers, très bonnes exécutions, une très belle plateforme comme la NanoTrader et un bon formateur comme votre serviteur. Voilà. Donc, je suis arrivé au bout de la présentation. Il est 18h56. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.